I brought that with me. In case they get too iffy. Baby, don't stress. Ah, la team, du coup c'est bon, on est en live. Kenny il est parti chercher un petit truc vite fait, il revient dans deux secondes. En attendant je vais meubler, donc voilà, on doit attendre un peu, la flamme elle a un peu de retard. Donc non, elle arrive dans une quinzaine, vingtaine de minutes la flamme, c'est heureux apparemment. Donc voilà, j'étais en train de chill là, Donc ouais, attends, l'image est plus sharp ou c'est moi, j'en ai aucune idée. On était à l'annonce du top 8, voilà, on racontait un petit peu notre Zedlan avec Kenny, donc il va revenir après. Donc il est parti chercher un petit truc. Mais en gros voilà, on était en mode Kenny, je pense c'est gros moment. Kenny qui se qualifie top 8, c'était vraiment un des pics moments de la Zedlan. La game de Croco, ma game Trials, Hardest sur PUBG, incroyable. Sa game dans le top 48, la game de Hardest où il est en god mode et il explose tout le monde, c'était vraiment un truc de fou. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu la game de moment aussi apparemment. La game de moment apparemment sur StarCraft, c'était de la folie, j'ai pas vu. Ah tiens, bizarre. Comme par hasard, la mafia Montpellier. Tiens. Le maire de la ville qui a coupé le baron de Montpellier. Étrange. Quand il lance son live, ça coupe le nôtre, eh bé. Mais ouais, la game de moment c'était incroyable parce qu'en gros, en fait, il avait une sorte de pacte avec Shishiyu en mode tue-moi en dernier. Okay. Et du coup, tu regardes sa game moment, tu regardes la minimap, c'est genre moment qui va chez quelqu'un, mort. Mort. Et là, tu as tout le monde sauf Shish. 23 minutes la game. Et après, il a tué Shish. Ok. Voilà. Est-ce qu'il l'a laissé prendre des petits bâtiments? Nous, notre game, elle a duré bien le 45 à fond et tout. 45 minutes. Voilà, 23 minutes moment. Non, mais il y a des gens qui se posaient la question. Et oui, moment contre moi, c'est no match, hein, je le démolis. Hein. Non, je rigole, il me démolit. Moment, il est trop fort sur StarCraft. C'est vrai que moi, j'ai fait un duo avec Gob sur PUBG. Et en groupe, Gob de base, j'ai l'impression qu'il était pas ouf sur PUBG. Et en gros, j'ai micromanagé. Non, il se débrouille. On a fait top 3, 8 kills. Ouais. On était en mode, mais comment on a fait ça? Sachant que il a failli m'écraser. On avait ramené deux voitures en hauteur. Et en fait, on voulait se faire une cover en haut avec les voitures. Sauf qu'il est descendu de la voiture, il a pas mis le frein. Ah, la voiture est partie. La voiture est partie dans la carrière et ça a failli m'amener. J'ai pris des dégâts. Et du coup, je suis en mais on se fait tirer dessus. Et comme c'est horrible. Non, t'inquiète, on n'a pas pris de dégâts. C'est juste moi qui t'ai roulé dessus. Je suis en mais quoi. Si tu te fais écraser, genre avec la voiture, elle continue, elle te tue au sol même. Hein. Genre, c'est instant, tu peux même pas te faire raise. Ouais. Genre, ça peut être terrible. Ouais, ça va être une catastrophe. C'est très marrant. C'est très, très marrant. Mais franchement, la Zilan, je sais pas vous ce que vous en avez pensé en tant que spectateur. Je sais qu'il y a eu des moments qui étaient un peu dur au début, qui pouvait passer unfair et tout, et qu'on a bien subi aussi. Mais overall, je trouve quand même que c'était un bon événement, un bon divertissement, et c'est vrai que. Que moi, non, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont râlé sur le format à raison, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées, et c'était difficile à vivre en tant que joueur. Mais globalement, c'était un événement de fou, et on se rend pas compte humainement de ce qu'on vit, c'est un truc de malade. Ouais, genre, on rencontre plein de gens. C'est normal qu'on soit frustré par moment. On vit le truc à fond, quoi. Donc, il y a des réactions à chaud, il y a des gens qui contrôlent moins leur communication que nous, qui sommes un peu plus habitués nécessairement, tu vois. Et du coup, bah voilà, c'est un peu plus facile pour ceux qui sont habitués à faire ça. Et après, même moi, j'ai failli faire des tweets de rageux, mais je les ai délettes avant même de les écrire. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Je les ai écrits et je les ai supprimés. J'étais en mode vas-y, ça sert à rien. Et puis, Osef, de toute façon, ce que j'ai dit sur Twitter, je le pense. Et il n'y a rien que je cache particulièrement aux gens. C'est juste sur le moment, tu vois un peu rouge. Tu vois, t'es un peu en mode. T'es à 4, ils sont 5, ils disent bah écoute, le seul mec de notre team qui s'est pas joué, on le bench. Ouais, voilà, mode, voilà. C'est ça. Les gars, c'est pas cool, on a perdu d'avance là, tu vois. Ouais, c'est ça. Et ouais. C'était bien chiant. Mais sinon, on a fait quand même des trucs vraiment cool et voilà. Donc là, il nous reste encore quelques instants. Il va y avoir la flamme olympique qui va passer elle va arriver, pas longtemps. C'est Kevin Meyer, je crois, qui va la porter. Je crois que c'est Kevin Meyer qui la porte. Ouais. Putain, légende. Hein. Et il y a le chaudron. Il y a pas eu un relais avec la flamme normalement? Je sais pas. Parce qu'il y a plusieurs porteurs de la flamme. Ouais. En tout cas, Kevin va la porter. Il y a une infirmière qui la porte aussi. Okay. Une infirmière retraitée qui la porte la flamme. Ah, c'est cool. Ouais, c'est grave cool. Je sais pas si les frères Lebrun la portent. Aucune idée.
De toute façon les gars, globalement le débrief de Malan en particulier, je le ferai dans un live plus tard. Ouais, là juste on parlait au global de notre expérience et on vous l'a dit de toute façon sur Twitter depuis le début avec Sakor, notre objectif à nous, comme d'ailleurs celui des Toiles et Crocos qui sont tombés un petit peu tôt malheureusement à cause globalement du fait qu'ils n'avaient pas leur jeu nécessairement à ce moment-là, PUBG, Unlucky pour Croco. Starcraft c'est chaud. Voilà. Et mais on voulait top 8, on a top 8 et à partir de là on était en mode vas-y go kiffer. Ouais, go kiffer. Dans le top 8 parce que moi c'est le premier top 8 que je fais, je trouve qu'elle était vraiment saine, c'était pas il y a pas de délire de lui faut le baiser, vas-y lui si gagne j'ai le seum et tout. Ouais, non, il y a pas de ça. Tout le monde était vraiment en mode vas-y, on est là pour kiffer. On va tout donner et quand les gens étaient éliminés par exemple, tu vois ça c'était des câlins, c'était en mode voilà, vas-y force. C'est pas grave, tu vois, et même tu vois, en fraise qui avait bien tryhard et tout. Il y avait pas d'amertume ou quoi, c'était vraiment fun. Après, je sais pas, moi j'ai pas vécu les autres top 8 des années passées. Je sais qu'en équipe, à un moment, il y avait des équipes qui pouvaient parfois être conflictuelles depuis un temps. Mais des fois, je sais pas. Mais c'est globalement, tu vois, je pense par exemple à l'année dernière. Le top 8, il y avait eu des dramas notamment sur Northgard où en gros ils croyaient que le premier jeu c'était Northgard et ça parlait dans les backstage en mode ça va focus Oslo machin tout ça et genre Oslo il avait fait des tweets assassins un petit peu là-dessus en mode du coup Malan est fini tu vois genre il y a rien à faire et c'était un peu dur tu vois genre ce genre d'ambiance je pense c'est bizarre, difficile à vivre bizarre, parce que tu sais t'es en mode ça y est les gars on y est on peut jouer ensemble et tout le monde on va te baiser tu vois genre c'est bizarre tu vois j'avoue, c'est relou c'est un peu bizarre j'avoue que c'est un peu chelou c'est chelou quoi. C'est comme si imaginons là dans les GameStar, on baisse tous oui, voilà. On baisse tous le Games. Voilà, bah bizarre tu vois, mais on personne n'a fait ça. Personne l'a fait. Non. Et même ça l'a laissé en vie. Ouais. Genre en mode, même moi tu vois, j'ai joué normal, tu vois. J'ai eu l'occasion de le faire et j'étais en mode bah si je le tue ça m'arrange. Mais en fait Leaf est venu et j'étais en mode ok Leaf va le tuer, il est venu chez moi, j'étais en mode pas grave tu vois. C'est pas grave, go jouer tu vois. Go jouer. C'est pas. De toute façon tu sais que t'allais pas finir dernier. Oui voilà, je savais que j'allais vraiment pas finir dernier, c'était impossible et du coup à partir du moment où j'avais tenu Leaf, c'était tranquille. C'est vrai. Mais ouais, Croco, j'avoue que j'ai eu de la peine aussi pour lui. Quand il a pris sa balle, j'ai été le voir direct. J'ai vu le clip, on m'a envoyé le clip dans le chat. C'est trop de la dinguerie. Ouais, c'était vraiment de la dinguerie. Si vous l'avez pas vu, mais après, tu vois, ça fait partie de l'histoire. Tu vois, c'est le genre de truc qui rentre. Ouais, et en vrai, tu vois, il y a trop de trucs à raconter de cette là. Donc en fait, on peut pas dire que c'est un événement qui pue la merde. Il a fait vivre tellement de trucs à tellement de gens. Genre, c'est incroyable, tu vois. Il y a pas beaucoup d'événements qui font ça. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, franchement, chaud la défense quand même. Ouais, c'était chaud, mais c'est passé. Tu vois, on se gagne. T'as tenu en vrai, apparemment, c'est limite. Bah, en fait, en gros, ce qui s'est passé. C'est que j'étais chez Loch Ness avec mes vultures et en fait quand je renvoie mes vultures pour ramener chez moi parce que j'ai vu Leaf arriver, elles se sont toutes bloquées dans Leaf ses îlots, il les a tous tués sans que je fasse un dégât. Du coup il est arrivé genre avec 12 îlots chez moi, j'avais rien. Et du coup j'ai sorti. Bah, j'ai split mes VCS dans plusieurs endroits de ma base parce qu'il voulait tuer mon économie. Et en gros j'ai sorti 4 vultures et j'ai tourné autour de lui en tuant ses îlots au fur et à mesure. C'est une légende. Voilà. Et j'ai fait ça. Parce qu'en gros il y a une mécanique sur StarCraft qui est assez forte, c'est qu'en gros. Tu sais, normalement, tu fais A-click pour faire un attack move, et en gros, la première unité ennemie que tes unités vont rencontrer vont tirer. Sauf que si tu fais ça avec les vultures, à chaque fois qu'elles vont attaquer, elles vont s'arrêter. Okay. Et il y a un move en fait avec les vultures que tu peux faire, c'est un P-click, c'est pour patrouiller. Okay. Et en fait, quand tu patrouilles, elles ne s'arrêtent pas pour tirer. Donc, en fait, elles continuent d'avancer et elles tirent. Tire à côté. Et du coup, bah, en fait, tu les fais tourner et tu fais P-click, tu prends, tu fais P-click, machin, et tu tournes un petit peu comme ça, et voilà, ça a bien marché contre les îlots de Leaf et j'ai tenu et puis voilà. Après il avait pas l'info Loch Ness donc j'étais tranquille pour la suite. Ouais, mais moi je trouve que le truc était vraiment réussi cette année. C'était vraiment la prod et tout, tu vois l'ambiance qu'ils avaient mis avec le superviseur. Non, je sais pas si t'es parti à l'abri un moment. Non, pas du tout. Moi j'ai été pour envoyer des messages et insulter des gens. En gros, il y a Dalil, il m'a envoyé un message. Parce qu'en gros, à l'abri, pour ceux qui ne savent pas, tu pouvais recevoir des messages privés sur Discord. Et en gros, il y a Dalil, il m'a envoyé un message. J'ai dit, on fait une alliance et tout. J'ai dit, vas-y, go show. Et après, je me dis, c'est trop marrant. J'ai envoyé un message à Wax et Qatar et je les ai insultés. Mais c'est trop gaze, bande de clown. Tu pouvais envoyer des messages privés, c'est marrant. Ça. En fait, je voulais pas envoyer dans le full stream, je me battais les couilles. Ah putain, on m'a pas dit ça, j'aurais fait sinon. Ah, c'est trop marrant. Ah, c'est très très cool ça. Ah, il y avait des mechas. Comme quoi, tu vois, on avait pas vraiment toutes les infos parce que je savais pas ça, tu vois, par exemple. En portant le flamme, il y a Lormanoudou, les frères Leblanc et Kevin Mayer. Ah ouais, vraiment? T'es sûr de cette info? C'est pas une info de chat? Lormanoudou en plus? Elle habite là même? Ça comme. Je sais pas. Je connais pas Lolo. Je vais être honnête, Lolo, moi, non, c'est pas. J'ai pas de. Voilà, c'est pas ma pote, je la connais pas IRL quoi. Est-ce qu'elle fait top 5 Zedlan? Je sais pas. Je pense pas. Top 3 passion dans le flamme. Je pense qu'elle fait top Samuel Etienne. Hein. Tu penses qu'il y a des badges Lormanoudou doré qu'on donne à la fin de la live? Oui. Je pense par contre qu'elle met une patate, elle m'éteint. Elle m'éteint, frère. Je pense qu'elle t'éteint, oui. Et moi aussi. Ok, oui. Hein. Ouais, Kevin Mayer, c'est vraiment le boss. Hein. Ouais, putain, on n'a pas pu prendre de photos avec Kevin Mayer. On a passé une putain de journée quand même, hein. On se rend pas compte. Hein. Ouais. La journée était vraiment cool. Ouais, très, très c'est une bonne journée, tu vois, post-event, chill, on fait pas mal d'activités sympas. Hein. Par contre, j'avoue que j'ai demandé à Dash s'il pouvait réserver un resto, je sais pas du tout. Si, il m'a envoyé un message, mais frérot, je suis en live, je vais pas te répondre maintenant, je pense. Bah hein. Ouais, c'est pour ça, je suis en mode c'est un peu bourbier quoi. Je donne pas l'heure par l'heure, perso. Ouais, ouais, bon, écoute, on verra plus tard. Hein. Ah, mais c'est quoi la strat du P-click? Ah, les gars, super chiant. En fait, en gros, quand tu prends le Skyard là.
Non, non, les gars, c'est super chiant. En gros, comme ça, ça permet de faire de, que les unités continuent de bouger, mais à taper en même temps. Tu sais que j'aime trop Sky parce que Étoile m'a dit un truc qui est très vrai. C'est qu'en fait, Sky, quand il commentait League of Legends pendant le live de la LAN, il était tout le temps en mode. En gros, il faisait son Sky Art et après, il se rendait compte qu'il était sur la chaîne de Zera. Il adaptait. Ah ouais, et il était en mode. En gros, avec cette augmentation à 10%, on a fait des dégâts en plus. C'est ça, j'avais non, mais parce qu'en fait, t'as 15%. En fait, ça fait des dégâts supplémentaires. C'est trop marrant qu'il fasse vraiment le full Sky Art, tu vois. Non, c'était trop, le GOAT. Tu vois qu'il passait une explication, tu vois. D'ailleurs, quand tu piques Arthus, tu maxes le wall ou pas? Tu piques Arthus, tu maxes le wall, c'est quoi? C'est une rêve, je l'ai pas. T'as pas vu le clip? Non. C'est trop marrant. C'est un clip de Sky Art qui raconte, il est en interview avec je sais plus qui, en gros. Et il dit, quand il était en team avec un mec, à l'époque, le wall de Karthus réduisait la résistance magique jusqu'à un point où la résistance magique était négative. Donc en gros, il disait à son mec, il faut que tu maxes le wall. Et en gros, son mec, il voulait pas le faire parce qu'il maxait le cul pour mettre les dégâts. Oui, ça me et en gros, il dit, bah, en gros, je lui dis, bah, max le wall sinon je te vire. Il a pas mal ses walls, il a viré. Oh la légende, c'est vraiment trop marrant. Le clip, vraiment, ce passage là, c'est lunaire, c'est trop drôle. Sky, je l'aime trop, je te jure. Mec, est dans la matrice, j'adore. Tu sais que c'est grâce à Sky qu'on en est là, enfin moi que j'en suis là, moi personnellement. C'était vraiment le GOAT. Parce que toi, c'est vrai que t'étais Eclipsia avant Sky Art. Oui. Les gens ne le savent pas, ça. Hein. Oui, oui, j'étais au tout début. D'ailleurs, c'est même moi qui. Ah non, attends, c'est l'anecdote de fou. C'est moi qui ai fait un entretien Skype à Jiraya. Mais pour non. Rejoindre Eclipsia. Mais non. Parce qu'à l'époque c'était Eclipsia Bordeaux, toi t'étais là-bas. Oui, toi. Oui. Ouais. Et en fait, j'ai fait un entretien Skype avec Jiraya pour le faire rejoindre Eclipsia pendant qu'il faisait son tournoi lol.fr là, oui. Qui est devenu la Blitz Cup sur Eclipsia. Et ça, c'est trop marrant, c'est une anecdote de fou. Bah oui. On avait posé des questions. Fait partie des piliers, hein. On avait vraiment posé des questions toutes pétées. Tu sais, je connaissais rien au streaming, c'était trop nul. Globalement, je savais que j'allais le recruter parce qu'il était trop marrant, tu vois, de base. Mais je voulais faire bluff, tu crarer un entretien, tu vois. Parce que c'est l'un des premiers. Ouais. Et j'étais en mode, tu sais que c'est grave un bon, tu vois. Il avait grave de l'énergie et tout. Avec un mec qui avait pas. Un Diablo, non? Il s'appelait Diablo, exactement. Ouais. C'était pas le Diablo qu'on a vu. Non, c'est pas le Diablo qu'on a vu à la LAN. Ok, ok. Et j'avais quel âge? J'avais 17 ans et demi, je crois, un truc comme ça. Et en gros, après Sky, Gigi qui ont rejoint Eclipsia à Bordeaux. Mais non, Jiraya me doit pas la vie parce que je pense qu'il aurait percé quoi qu'il arrive. Mais ça l'a peut-être un peu aidé et globalement c'est cool quoi. Parce qu'en fait, dites-vous, ouais, comment on l'a trouvé Jiraya? En fait, on se baladait sur les forums parce qu'on cherchait des streamers League of Legends. On se baladait sur les forums LOL.fr. Ouais. Et en fait, il avait posté des messages en mode ouais, j'organise un petit tournoi et tout sur ma chaîne et tout. Et on avait scouté un peu ses VOD. On était en mode mais c'est le GOAT. Il est trop marrant ce mec. C'est le GOAT. Oui, c'est trop le GOAT. Et voilà. Et du coup, Sky qui a été recruté ensuite parce que bah il était trop fort au jeu, c'était une légende. Voilà, c'est ça. C'était l'un des meilleurs joueurs du monde à ce moment-là. Puis après, il y a eu déménagement à Ashford. Ouais, toi, t'es arrivé plus tard, toi. En fait, moi après, j'ai repris mes études. J'ai pas été à Bordeaux parce que mes parents voulaient pas. Ils étaient en mode ouais, c'est shady ton truc, c'est bizarre et tout. Tu veux pas reprendre tes études? J'étais en mode non. Et du coup, mes parents, ils sont foutus dans la merde. Ils ont payé une école. Ils sont en mode tu vas à l'école maintenant? J'étais en mode d'accord. Ah ouais, t'as pas le choix. J'ai été à l'école. En mode tiba quoi. Voilà. Et du coup, j'étais en mode j'ai été à l'école et genre en deuxième année, il y a quelqu'un, du coup, le boss d'Eclipsia qui m'a rappelé qui était en mode vas-y viens, t'es chaud à Ashford et tout machin. Et j'étais en mode vas-y, je viens, tu vois, je suis chaud. C'est voilà, qu'Ashford on a vécu des choses, hein. Il y a eu tout le monde qui arrivait après, il y a eu Twix, Ledge, Zerator, Domingo, Kamel, il y a eu tout le monde en vrai. Ouais, je te jure, mais c'était Ashford. Le single top de Sky, j'en rêve encore la nuit. C'est vrai que même avec Eclipsia Paris aussi, pour ceux qui savent pas, il y avait à l'époque l'incubateur de talent. Donc c'est là aussi que Ponce et Rivenzy sont sortis de base. Putain, quelle histoire avec Eclipsia. Il y a vraiment trop de gens qui ont gravité autour du cercle Eclipsia à l'époque. C'est vrai qu'on s'est rencontrés là-bas. Ça fait 10 ans, frère. Ouais, je te jure. Et oui, après, c'est vrai qu'on s'est vieux maintenant, sa mère. Waouh. Bah ouais. T'as l'impression que c'est l'année dernière. La folie. Ok. Ok. Du coup, il y a Aurélien et Juliette RZ qui vont nous rejoindre ici. On se regroupe et puis on va aller voir la flamme directement. Putain, on a raté le DJ set. En vrai, je suis un peu dégoûté de ça. Ça avait l'air cool. C'était à l'Arc de Triomphe. Ouais. C'était une des premières activités qu'elles ont fait. Ouais, c'est ça. Il y avait même Valouz et tout, Oui, c'est vrai qu'il y avait Valouz, il était monteur. Oui, tout à fait. Il montait, il postait toutes les VOD, c'est lui qui faisait toutes les miniatures et tout. Il avait aussi un petit mobilhome où il y avait des gens qui dormaient dedans. Ouais. Il y avait Chab qui dormait dedans, je crois, à l'époque. C'est vraiment une époque. C'est marrant. Une époque de fou, hein. Si on devait retracer l'histoire du stream game, on pourrait faire une vidéo de fou. La vidéo storytelling du stream game, ce serait vraiment un truc de fou, hein. Je te jure. Où tout a commencé, tu vois, tu fais un truc secret review. Petite boîte. Pitié. À Ashford. Horrible. En vrai, quoi? Ouais. Tu peux faire ça, hein? Je te jure. La belle époque. Ça a été Bouze. Valouz en coloc avec Alder. T'es Bouze qui était streamer à l'époque avec son Asus. Je te jure, mais il y avait même DFG et tout. Non, il y avait trop de monde. Twix, Ogar, Lege. Ouais.
Il y a vraiment, vraiment trop de monde. Hein. La folie. Je sais pas, Dwag, il est passé par l'équipe, ça, je crois pas. Non, c'est le seul avec Narcus. Ouais, ouais c'est ça. Hein. Narcus est venu à Paris. Il devait venir, Narcus, à un moment, mais il l'a pas fait, je crois. Bah, il est venu à Paris, seulement à Paris. Oui, c'est ça. Mais il est pas venu avant. Parce que lui, il était en croisade. Tu sais, c'est Narcus, c'est le vieux con, tu vois. Il était en mode, moi, je suis chez Millennium, c'est Millennium ma maison. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Eclipsa, c'est des gros cons. On rigole, mais tu vois, Eclipsa, quand même, ils sont arrivés dans un milieu qui était pas du tout professionnalisé avec pas plein de thunes, en vrai. Et ça nous a grave servi. Tu sais, on avait des plateaux, des locaux, des machins, des trucs. Et en vrai, ça nous a grave formés, tu vois, tous. C'est vrai. Et ça a créé un peu une norme en France, tu vois, qui a grave step up un peu tout le monde là-dessus, tu vois. Donc en vrai, c'était bien quand même. Dans ça, le streaming en France, il est autant avancé en réalité. Oui, de ouf. De ouf, de ouf. C'est vrai que Dwagby aussi, il a pas rejoint Eclipsa. Dwagby, ça aurait pu un moment, une époque à Ashford. Il y avait des discussions de bruit de couloir en mode Dwagby, Eclipsa qui arrive. Finalement, ça s'est pas fait. Mais ouais. En tout cas, voilà, on discute, on raconte nos vies, etc. Si jamais vous voulez parler, posez un peu des questions avant que Les filles arrivent. Après, on leur demandera un peu ce qu'elles ont fait, elles. Parce que nous, on a fait nos trucs, mais elles, on sait pas du tout ce qu'elles ont fait comme activité. Parce qu'elles avaient un parcours différent du nôtre, Juliette et Aréliane. Ouais, elles ont fait un parcours un peu différent. Mais moi, je trouve le nôtre, c'était de la frappe en vrai. C'était trop lourd. C'était vraiment de la frappe. En vrai, on a fait des belles activités, je trouve, c'est trop cool. Et surtout, on a rencontré des gens, tu vois, genre en mode les frères Lebrun, Maier, le mec du BMX. Oh, c'est incroyable. En fait, on se rend pas compte. Je te jure, mais c'était trop marrant, je suis au parc là, je revois les gars. Je suis en mode, mais non, ça roule avec eux, ils sont au calme. Le mec de l'équipe de France de BMX, on le voit faire deux tricks, on le voit. Je te jure, il est trop chaud, il est trop chaud. Et en plus, il était vraiment premier degré, trop gentil, tu vois. Genre, il a pris grave du temps pour nous et tout, c'était trop un bon. Trop un bon. C'est dingue. C'est... Ah, la flamme arrive, regardez. Là, on le voit sur l'écran là-bas. Ah ouais? Ah putain, elle est en train de courir la flamme là. Le relais de la flamme du 13 mai à Montpellier. Ah oui, moi, ça me hype de fou l'annonce Ascension Dira. J'ai très curieux de voir ce que ça va donner. Tu vas envoyer des joueurs, toi? Bien sûr. Ouais. Ouais, c'est sûr, ils vont le faire. Tu sais si c'est de la. On sait pas si c'est de la solo, de la duo, trio. Pas du tout encore. Ça peut aller jusqu'à 4. L'écran, hein. Ouais, ça peut être tout. Ah ouais, solo, duo et. C'est jusqu'à 4 squad, max, non squad, squad, ouais. Mais je pense que ça va être duo. Ok. C'est plus duo le format. Mais pourtant, Zera, souvent c'est solo. Hein. Les solo, c'est plus dur. Hein. Solo, c'est plus dur et ça peut être un peu random en vrai. Ouais. Bah, comme PUBG en vrai. Hein. De toute façon, c'est un peu moins random, je pense, sur Fortnite. Genre, un mec qui est fort, il va démolir, tu vois, genre vraiment. Oui, mais bon. C'est sûr. C'est qui le mec qui la parle, je sais pas. Il en parle ce soir. Ah oui, il va en parler ce soir, ok. Ah oui, oui. Oui, pendant le live qu'il a lancé pour couper le nôtre, ouais, c'est vrai. Ce même live. Oui, le live, hein. Il a coupé nos lives pour lancer son live. C'est une dinguerie de faire ça. Hein. Adrien, vraiment le maire de la ville, hein. Ouais, je te jure. On le déteste, hein. Non, c'est la première fois qu'il fait un event sur Fortnite, Zera. Ouais. Après, il a déjà participé à des events sur Fortnite et il a beaucoup joué à Fortnite dans ses débuts, donc. Tant qu'il n'a pas joué à Fortnite. Je te jure. Bah, moi. J'ai un clip de fou, mec, qui est sur mon TikTok. J'ai jamais joué. Non, mais en gros, j'ai joué à Fortnite le PVE de base. Ouais. Et je trouvais ça de la frappe. J'ai joué à Fortnite Battle Royale parce que moi je fumais PUBG. Je jouais à Fortnite Battle Royale, j'étais en mode ça va plus à la merde. J'étais en mode ça va jamais passer. J'étais en mode ça va jamais buzzer. Un bon instant, toi. Sur les jeux, t'es chaud. Les gars, j'ai le pif. Ah ouais. Ça va baiser. Ah, tu t'es dit, Starcraft World War. Ça va flop. Starcraft World War, c'est le jeu. Wesh, la team. Viens. Oh la dingue. Ça va quoi? Viens t'asseoir, Ariane. Ça va ou quoi, ma pote? Viens t'asseoir. Ça va bien. Ouais, c'est nous, c'est les légendes, wesh. T'as vu, c'est qui? C'est nous, wesh. Pourquoi vous avez pas fait la Z-Lan, vous? C'est pas grave. Vous étiez. Ah, vous étiez à Los Angeles. Excusez-nous. Mais c'était quoi votre parcours là, un petit vous peu avez là? Fait quoi comme activité, ouais? On a fait. On est parti manger et on a bu une petite bière. Mais ça pète, ils sont partis manger, ils ont mis une bière. C'est quoi ce parcours d'alcoolique? Nous on a. On a fait le jeu de. Vous avez fait combien au jeu de machin? On a fait 131, 132. Oh, on a fait 142. Non. Quoi? C'est impossible. Impossible? C'est impossible. Non, on est les gouttes. On est les gouttes, c'est impossible. C'est impossible. Ah, en duo, 1v1. On s'est fait baiser nos mères. J'y crois pas, oui. Ça fait 140. Non, mais vous en vrai. Les gouttes. Non, ils nous ont dit qu'on allait voir les gouttes. Vous êtes vieux un peu, t'as quel âge? Pose pas des questions comme ça, vieux. J'ai 33 ans moi cette année. Vas-y, participe à la prochaine Z-Lan, on va voir. Vas-y, viens faire la Z-Lan. On se retrouve sur top 3. 16. On se retrouve sur Starcraft en top 16. On va faire comme Samuel Etienne maintenant. On va voir si tu tiens la game. Bah, tu vas être gaze. Non, par contre, c'est une jeu de FPS hein, en vrai. Sur les FPS, elle te baise. Oui, elle te baise, évidemment. Sur Apex, elle te baise. Je suis le goat d'Apex. Je suis le goat. J'ai fait ma carte sur Apex. 97. Je
fait ma carte, en fait. 97. Mais je te jure, j'ai fait l'OP ou j'ai fait ma carte. Ouais, bah j'ai fait 97. Bah t'as raison. T'as raison. J'ai voulu tenir le bluff. Impossible. Mais c'est plus dur à la manette parce qu'il n'y a pas d'aim assist. Vu que c'est... Non, pas sur les, mais pas sur les cibles. C'est pour ça que j'ai, c'est pour ça que j'ai raté. Bah oui, et moi je veux manette. Moi non plus. Ouais. Force à eux. Mais bref. Hein ? Oui, j'ai. Oui. 75. Oui. Voilà. Là. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que ça fait demi. Oui, non, mais... Ça va ou quoi le chat ? Ça... Mais t'as eu 0 sur 20 là. Genre, on échange. Mais non, mais j'ai rien du tout. Faut prendre les deux micros, sinon ouais, y'a qu'un live qui entend. Ça, en gros, si tu parles. En gros, voilà, là comme ça, je parle dans les deux lives, tu vois. Ça va et toi ? Ça va. Le live devait être fou, genre, c'était en mode nice. Ouais, ça va. Ouais, ok, mais moi je suis chaud, moi. Ta garde sur Apex. C'était ça les lives. En vrai, go mettre les micros sur tous les lives. Non, ça peut pas. Ah, ouais, pas. Non, mais ah. Oui, oui, au pire, oui, on mettait tous les lives. De toute façon, là, on attend la flamme, là. La flamme va arriver. Attends, pourquoi il y a une vidéo d'Astérix Oblix, là ? Ah, non. On nous a dit que vous aimez bien la musique. Ça peut être salaire. Ouais. C'est le boss, hein. Mais c'est le GOAT, hein. Tu as bien le GOAT, c'est sûr. C'est le GOAT, hein. Objectivement. C'est le GOAT. Genre, Dogby, Dogby okay. Could never. Vas-y. Prends le micro et dis ok, I got a feeling maintenant. I got en fait, a feeling. Vas-y, fais-le. Genre, c'est pas le GOAT. Moi, ce que je disais, c'est. Quand même, vous avez le feeling. Vous avez le feeling ici ou pas ? Bah, c'est le GOAT. C'est le GOAT. Pour faire ça, c'est le GOAT. De personnes de 40 ans. C'était marrant. Non, je te jure, les gens. Ouais, parce que moi, mon frère et ma soeur, c'était pas ça. C'est le GOAT. Oui, après, à un mariage de 50 ans, ouais. C'est le GOAT pour les. À l'EHPAD. Non, regarde, mais là, tu vois, il y a plein de gens super vieux, donc ils sont bien là. C'est sûr que lui, à l'EHPAD, il fait le buzz. Hein. C'est le GOAT. Ouais, c'est le GOAT. Ah, c'est vrai qu'il a. J'ai la même chose qu'à Ariane. Va là-bas, prends le micro et dis ok, vous avez un feeling ou quoi, Montpellier ? Vas-y, essaie de le faire, ça, on va voir. Ah, mais c'est ce que j'ai dit, moi, ça, c'est le pire métier. Hein. Non, ça, je peux pas. C'est trop dur. C'est trop dur. Vraiment. Et vous avez testé le basket ou pas ? On a été bouillant. Moi, j'étais chaud, elle a. T'as mis quoi ? T'as fait combien ? Je sais pas. Sur quoi, t'as mis combien sur combien la genre moitié. Non, la moitié. Elle est la honte. La moitié la honte. Elle est trop nulle. C'est à toi, à votre tête que vous avez. On est les gouttes. Vous avez rien mis. On est les gouttes. Vous avez tout mis. On a lancé 8 ballons. Genre... Devine combien on en a mis. Devine combien on en a mis maintenant. Zéro. C'est exact. C'est vrai. Elle a mis 0 aussi. On a lancé 8 ballons, il en a lancé 5, j'en ai lancé 3, on n'en a pas mis un seul. On est reparti battu plein de honte. Basket et au réflexe. Après, 1v1 réflexe après. Oui, oui, vas-y. Ouais, ça va. Ouais, ça vas-y, va. Vas-y, ça me va. Ça va, ça va. Ça va faire un petit setup, comme ça on n'aura pas à switcher les micros bizarrement. Zéro. On a mis 0 dans les paniers. Non, c'est honteux. On a attendu une demi-heure. Il y avait un tout petit, il était né genre hier. Ouais. Et il nous a baisé genre. Tu vas quand même le battre. C'est mon... Mais d'ailleurs, c'est mon fils maintenant. Maintenant, c'est mon fils, je l'ai adopté. Il a raconté sa vie, le petit. Il était trop mignon. Il était en mode, mais je veux aller sur le grand et tout. Mais je faisais la queue. J'étais en mode, vas-y, frère. Bah, vas-y, fais la queue. Il est passé, il a failli mettre 3 paniers. Bon, nous, on n'a pas touché la cible une seule fois. Ouais. Ok. Ok. Ouais. Ouais. D'accord. Vas-y. Ok, ça marche. Pas de soucis. Bah, on se déplace maintenant, on y va ? Ok, d'accord, pas de soucis, on attend. Ouais. Ouais, je crois qu'il y a un bail comme ça. Il y a un call resto, on sait pas. Je sais pas. Donne l'adresse, vas-y, direct. J'ai demandé à Dash de réserver. Donne l'adresse, on invite tous les chats au pire. Ouais, Dash a réservé. Elle a réservé. Nice. Oui, le petit. Oh putain, tu as ramené ton pomski ? Oui, le petit dogo ! Ouais. C'est que t'étais à LA quoi. Genre, t'avais pas le temps quoi. Mais vous avez fait quoi d'ailleurs à Los Angeles ? Okay. Ah oui, ok. Quoi ? Quoi ? Vous avez voulu faire du quad ? Comment c'est. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais pourquoi ? Vous êtes morte quoi? Là-bas, il y a deux fois supérieure à LA. Déjà que LA, c'est très très haut. Elle m'a dit, mais moi, c'est hors de question que je lâche là. Parce que l'adresse, c'était genre vraiment sur la bande de route. Dans le désert, genre, il n'y avait pas une seule habitation. Vraiment, le désert, comme vous voyez.
Ok. Mais du coup, vous avez fait ça. Check ton micro, oui, rapidement là, il est on. Ouais. Il est on. Oh, ok, d'accord. Bon, on nous entend pas sur mon live, mais c'est énorme. Ah, c'est énorme. On s'entend pas. Bah, ouais. Plus alors. Ah merde. Moi, si, moi, dans le chat, ils disent qu'on entend les deux. Ah. En gros, elle a dit qu'elle était partie à un endroit et que c'était dangereux. Ils ont failli, voilà. Ils ont failli crever. t'es tellement misogyne. Oh la dinguerie. My bad, je suis désolé, my bad. On a pu faire du quad dans le désert. Ça nous a donné une mauvaise adresse et la Uber nous a dit c'est hyper dangereux, je vous lâche pas là. Et les mecs qui sont venus, ils étaient drogués. Et vraiment, mais drogués de ouf, ils avaient les yeux rouges. Full alcool dans la voiture, il y avait des tags dessus et tout. Avec Adèle, on s'est regardé, on monte pas là-dedans et on est reparti. On a payé 500 balles la journée. Ah ouais, bon, juste faire deux allers-retours. Ah ouais, stylé. Non mais la pauvre, elle a parlé pendant 8 heures avec son micro, nous on l'entendait pas aussi. C'est sûr. Ah, je crois qu'on va devoir y aller là. Vous entendez les mecs, vous, ou pas, dans le chat? On y va? Allez, go, let's go, on va aller voir la flamme. C'est bon, fin de journée. Ouais, il y a tellement de gens. Ouais. Ah, mais là, c'est blindé. J'aime pas trop, c'est trop serré. Mais c'est tous les caméras, ça va être. Putain, il y a des habitants dans cette ville, hein. Ouais, genre. Ok. Il y en a des habitants là quand même. Ouais, nice. Ah ouais. Écoute, c'est pas grave, hein. On va parler entre nous, désolé, hein. Désolé, désolé, mes viewers. On vous aime. Merci, les éclairs. Les éclairs. Ok, c'est parti. Le relais de la flamme. C'est énorme, ça se balade. Ne casse pas la gueule, Kenny. J'avais pas vu la truc. Ok, alors là maintenant ça va être le petit moment ambiance. Attends, là comment on passe là? On doit suivre Alman. Suivez le grand chauve. Suivez le grand chauve. Attends, j'ai l'impression qu'il y a que des mecs en costard qui passent là. Ouais, je te jure, frère. Il y a une lignée, c'est les on présidents. On n'est pas habillé pour cette soirée là. J'avoue. Toi, t'es en short. T'es en short gang. En plus, le mec il m'a pris pour un graffeur tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, moi avec ma dégaine, il y a un mec qui est arrivé. Il fait c'est toi le graffeur qui va faire ça. Je te demande non, non. Si, si, c'est toi, t'inquiète. Non, non, moi je suis un guignol qui joue aux jeux vidéo. Moi, je. On m'a dit c'est toi le mec qui a éteint Alexis Lebrun là au Big Bang. N'est jamais arrivé. J'ai dit oui. J'ai dit oui, évidemment. Il fallait qu'on vive des ouais, manières. Attends, mais comment on fait là? Je sais pas, hein. C'est loose, hein. On va essayer de se suivre. C'est trop loose, une dinguerie. Pour voir, comprendre en direct, et ça se passe ici à Montpellier, on vous le dit. Allez, encore. Je suis avec vous, le chat. Parce que là, vraiment, jamais autant de monde dans les rues, jamais autant de ferveur. Et plus on va aller, je pense que jamais on arrivera à l'heure. Mais c'est comme ça, tout le monde devra la clame, tout le monde participe à ce moment. Il y a le sommet route que PA qui va la porter, non, non. Chaque ride. Il y a Kenny qui aurait pu, mais bon. À la fête bon, populaire. Il fallait qu'il demande au maire, quoi. FF. Je te jure. Ça s'est passé dans les rues ce matin, regardez. Ça s'est passé un peu partout sur notre territoire. Ah ouais. On les voit. On voit les gens sur les photos là-bas, là. De la journée, sur l'écran vidéo. C'est cool. On n'est pas en train de gêner tout le monde, c'est cool. Et nous, on arrive juste au finish, quoi. Ouais. Tout ça démarre le matin très tôt à Lyon, ensuite ils sont dirigés vers le Le spot est. Et c'est là où ça commence. Tout le monde va voir. Et regardez, vous avez des images d'ici que c'est dans la salle, sur lesquelles vous êtes tous. Vous allez voir, vous avez des comédiens. Là, c'est. Ouais. Cette journée. La femme, qui a fait la hauteur, la médaille de Lyon, avec de magnifiques impressions. Il y avait des porteurs de flammes connus, il y avait des porteurs de flammes qui ont donné beaucoup d'années à leur vie. Je sais pas exactement où est-ce qu'on est censé se caler ou quoi.
Vous savez que là, on est passé il y a 5 minutes juste ici, là, pour faire le tour de ça. Exactement. On a perdu notre guide. C'est vrai que là, on n'a plus de guide. Il est où le grand chauve? Et là. Ah, c'est là-bas. Faut suivre le grand chauve. C'est lui, notre lumière. Ok, on va avancer alors. Ah merde, ah là, en plus elle est plus dure à retrouver elle. On arrivera là, je pense, à avoir une meilleure place. À mon avis, il vaut mieux qu'on aille finir tranquille là-bas. Attends. Ouais, avec les gens ? Non, justement, on ressort, on va là où vous étiez tranquille. Tout, mais pas du tout. Ok, tu penses qu'on veut pas voir la flamme ? On pourra pas la voir. En fait. Ok. Là, en fait, on est, c'est trop tard pour aller. Ok, vas-y, pas de soucis. Non, mais vas-y, tranquille, go pas gêner tout le monde, c'est fine, t'inquiète. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Non, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Voilà, j'étais gêné de gêner tout le monde. Il y a plus de soleil. Allez, vas-y, les yeux noirs. Non, tu crains pas le soleil. Ok. Pardon. Moi, ça m'arrange. Hein? Quoi? Non, il gênait personne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, my bad. On reste par là et on prend les écrans quand elle arrive et comme ça on gagne dès qu'on la voit. Ouais, vas-y, vas-y. Un peu en hauteur là où tu vas la prendre en bas. Il y a un endroit? Ouais, t'es en hauteur en fait, la femme est en bas. Tu peux être en hauteur parce qu'on peut. Allez, on passe en live pour qu'on puisse vivre l'arrivée de cette flamme. Pour qu'on comprenne à quel point. Ouais, qu'on fait. Je comprends rien, les gars. Je comprends rien. On peut pas aller en haut du truc d'escalade. Vous l'avez dit, regardez, je vous pas. Normalement, on court un peu, mais chacun fait à sa vitesse. Le but, hein, c'est d'arriver. Regardez, ils sont sous flamme là actuellement. Là. On va vivre ce moment. On va vivre ce moment. Et si le, public du site en ce moment de cette situation, pour lui donner un peu de force, s'il vous plaît. On va tout rater, les gars, on va tout rater. Les gars, c'est fini, on va tout rater. Ouais. Et il marche lentement, le cousin. On lui dira, on lui dira. Les gars, c'est fini, on va tout rater. Les gars, c'est fini. Voilà, chacun marche à sa vitesse. Wesh, il se passe quoi? Je vous l'ai dit, c'est une véritable fête. Continuez à regarder l'écran. Et de Adèle est perdue. Adèle a marché dans la foule sans se retourner. Ils sont où, eux? Elle est perdue. Il la suit, de toute façon, le cadreur. Ouais, ça, s'il y a le cadreur avec, ça va. Attends, mais il y a un transmission de flammes, là. Elle est en train de négocier, Claire. Mais Adèle, elle se perd. Comment ça, elle se perd tout le temps? On a compris, chacun prend sa vitesse. Chacun va à sa cadence. Une fois qu'il arrivera, on allumera le chaudron. Du coup, pour le live, les gars, en gros, on peut pas se placer bien. Parce que les places réservées, il y a trop de gens déjà là-bas. Donc on va regarder un peu l'arrivée de la flamme jusque-là sur l'écran. Et on verra avec le boucan que ça va faire et tout. Et après, on terminera là-dessus. Hein. Ouais, ouais, tranquille. Hein. Il y a quelqu'un une batterie portable. Comment? Une batterie portable. J'ai pas ça, FF. Je pense que c'est mort. Vous savez, quand je suis mets un ballon, je pense que vous allez avoir ma tête sur la flamme. Paris 2024, mais c'est DJ Dado. Je n'en pas trop le somme. C'est qui cette dame? Elle a trop le smile. Elle est trop heureuse. Oui, elle est trop mims. Par contre, hein, les redifs hein, vont jamais rester. Hein. FF, la table du The Weeknd qui tourne dans le bon. Heureusement qu'il y a le host of all time qui parle, quoi. Ah, je te jure, hein, il nous met bien. Pour faire la fête, on va la faire ensemble. Je vous le répète encore une fois, c'est la même émotion. Et ce soir, je pense que. Je sais pas s'il peut zoomer. Tu peux zoomer ou pas? Vous connaissez aussi le dernier relayeur. Ah, Dermat, ça, c'est un grand angle, c'est FF. Ah ouais. C'est le double champion du monde de décathlon, titre remporté à Londres en 2017, venu en 2022, champion du monde en salle de décathlon. Ce garçon est médaillé d'argent. Ce garçon est médaillé. Mais du coup, le relais dure genre de 15h jusqu'à 19h, quoi. C'est tellement long. Ouais, c'est ça. Juliette, est-ce que tu nous entends? Où est-ce que tu es, Juliette? Où es-tu? Il y a tout. Ah, Juliette, elle est là. Ah, c'est bon. Ouais, t'as trouvé. Nice. C'est perdu. Mais vous étiez où? On s'est perdu là-bas. On s'est retrouvé dans une foule. Moi, je te parle. Je me retourne, tu lui parles. Je me retourne. Elle m'a dit que tu faisais que le perdre. Il y a des jetés là-bas. Vous aviez une bonne vue. Vous aviez une bonne vision ou pas de là-bas? Non, impossible. Hein. Ouais. Il y a trop de gens là. Ah, tu mets ça. Ah, on voit bien sur l'écran. Il y a hein. Beaucoup de gens qui sont mis dans les rues, mais je pense que. Là, ce qu'on va vivre ici, ça sera. Je sais pas, c'est qui le dernier relais? Ok, on peut se mettre à jouer, bien sûr. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Les valeurs du sport, l'inclusion, le respect entre chacun et le vivre ensemble, c'est très important. Ça arrive,
on balance sur les écrans. La rediff est tellement FF. Hein, la rediff. C'est tellement FF. Ouais, c'est mort. Hein. C'est pas grave, on aura passé une bonne journée, il fallait être sur le live. Ça va. Il fallait être sur le live, la team. Ils sont là, les gardiens de la flamme, regardez, et ils entourent. On essaye de négocier pour que vous puissiez aller là-haut. Ah ouais, je vois. Oh, sur le truc quoi, sur le truc au cas là. C'est insane. Ouais, c'est insane. Hey, ouais, il se passe quoi là? Ambiance? Ah, il y a une grosse pub comme ça en plein milieu. L'escrime, quel sport de fou aussi. Ouais, l'escrime, c'est un truc de fou. Nagato, il est chaud en escrime. Ah ouais? Ouais, Nagato, il a fait. Ah oui, genre, c'est un monstre, ouais, lui. Ça, division 1 escrime, fait les gens compétent national et tout. Ah, on va trop tester un jour. C'est trop un bon en plus, IRL. Ouais. Trop bon. Valier, c'est le GOAT. Ouais. J'ai joué au Valier, hein, Dalil, légende. Je te jure. Moi, je regrette de pas avoir plus train avec eux et tout pendant ce jeu. Je te jure, tous les soirs, on était en vocal jusqu'à 4-5 heures avec les gars. De la frappe. C'était trop marrant. On se tapait des barres, on se lançait des runs ensemble, que ça se vannait. C'était trop bien l'ambiance. Les athlètes français qui vont défendre les médailles. C'est en France que ça se passe et ce soir. Mais moi, je suis ton skate quand t'as fait, le drop là. Ouais. T'as pas fait le drop, t'as fait. Non, t'as lancé le skate sur la cam. Ça m'est arrivé sur la main. Oh non, t'avais m'explosé. Oh non, désolé. Mais là, ça va. À deux doigts de m'arracher la main. Ah, ouais, t'avais la pire position. Ouais. Faut non, pas se mettre. Regarder, parler, ouais, je comprends. C'est bon. C'est mon papa. Très marrant. On fait monter les deux caméras. Ouais. Deux caméras, deux personnes, hein, c'est bon. Hein. Attends, mais une caméra, pas... ouais. Non, parce qu'elle peut pas récupérer. Ah, parce qu'avec une caméra, on peut pas récupérer sur on les autres lives. Pour saluer nos partenaires qui nous accompagnent tout au long de ce. Ah, on peut alors. Merci. On envoie une caméra, trois personnes, hein. Mais cinq personnes, c'est pas négociable. Quel départ, Annie. D'être là avec nous chaque jour. Et puis, voilà, comme on l'a dit. Je comprends rien à ce qui se passe. Aujourd'hui, on est très je n'ai pas la ref. Avec nous, avec la maison du sport de Airbnb. Bonsoir, Airbnb. Après, le problème, c'est que. Merci infiniment d'être avec nous. Merci pour. Vas-y, on vous voit. Allez, du côté du mur. En vrai, hein. Toute l'équipe de Sanofi. Merci d'être là, Sanofi. Ah, vous êtes plus chaud que Airbnb, hein. Je vous le dis. Merci, Sanofi. Merci. Un nouveau relais. Énorme. Ouais, c'est, je connais pas ces gens. Moi non plus, malheureusement. Dans 12 minutes, l'entrée de la flamme. 12 minutes. Mais ce moment, on peut pas le louper. Donc, tiens le coup. Hydratez-vous, évidemment. Ouais, normal. Est-ce qu'on va vivre? Bah, grave, hein. On en laissera, on laissera quelqu'un en bas. Ici, hein. Moi, si vous voulez, moi je reste là. Vas-y, Papa Yako. On fait Papa Yako. Vous connaissez Papa Yako? Okay. C'est quoi? C'est en haut, en bas, au milieu. Et celui qui fait, par exemple, différent des autres, il sort et il y va. Et à la fin, il y a la tête de mort. Ça a l'air super compliqué, mais vas-y. Non, t'inquiète. Fais, Papa Yako, faites en bas, en haut ou au milieu. Vas-y. Non, je fais Papa Yako, par exemple. Vas-y. Ok. Tu vois? Vas-y. Vas-y, Papa Yako. Donc là, nous deux, on y va. Parce qu'on a fait différent des deux. Les deux, ils ont fait pareil. Donc c'est pas bon. Vas-y. Et là, moi, je suis la tête de mort. Celui qui fait pareil que moi, il y va pas. Ok. Tu vois, vas-y. Vas-y. Papa Yako. Ok. Non, Papa Yako. T'y vas pas. Ok. Aureliane. Dégoûté. Pas mal. Ouais. Je... Elle a perdu le Papa Yako. J'ai rien compris au jeu. T'as rien compris au jeu? Je suis trop gay. Mais comme ça, vous avez pas compris. En gros, on était solo. Donc en gros, on sort. Et après. Personne n'a compris. Il y a quelqu'un qui a dit c'est Adélie Dello, wesh. Non, c'est Papa Yako. Voilà. À l'Adélie Dello, c'est avec ceci, oui, c'est pareil. C'est pareil. Hein. Sinon, vous y montez à 4, moi je filme d'en bas et l'autre je filme là. Comme ça, il verra. Ouais, mais l'important, c'est que la cam, c'est le live en vrai. Ah, que le live voit la flamme. Que le live voit la flamme, c'est plus important que nous. Oui, oui, mais si y a cette cam, elle peut zoomer un peu, non, celle-là. Donc elle peut monter, comme ça, on verra mieux la flamme que sur l'écran, quoi. Ouais, j'ai besoin de batterie. Je suis à 11%. J'ai une batterie, mais j'ai pas de câble. Ah merde, personne a un câble USB-C? C'est USB-C, USB-C. Bah c'est iPhone mais USB-C quoi. Merci. Merci. Ok. C'est Aurélienne qui reste en bas.
C'est mérité, elle a perdu en fait. Ça, elle, elle a perdu le papayako. Elle a même pas compris le papayako. La pauvre. Essaye de monter sur les épaules de quelqu'un. Trouve un gars, si ça se trouve facile. T'inquiète pas, va. Un vieux à Montpellier qui est présent là. Je demande au chauve. Il s'appelle Albin. Vas-y. Vas-y, okay. Go. Vas-y, bah go alors. Toi, tu vas pas? C'est lui? Ouais. Ok. Ah, allez, vas-y. Allez. Et du coup, tu vas pouvoir zoomer en bas, quoi. Donc là, on va aller en hauteur. Et comme ça, on essaiera d'avoir une meilleure vision sur la flamme. Vas-y, let's go. Des applaudissements, c'est ça qu'on va voir. Un accueil, s'il vous plaît, un accueil. Ouais, c'est énorme. Allez, c'est parti, on monte du coup. On y va. On va avoir un petit POV. En fait, on est encore plus loin, je suis même pas sûr qu'on verra. Moi, j'ai plus le micro. Pourquoi t'as plus le micro? Celui d'Adèle, il avait plus de batterie. Merde. Ah, on va attendre un petit peu. Ok. Ah oui. Ah oui, on est devant la tour de son. Il y a 30 minutes de musique en même temps. Ouais. C'est la folie. C'est de la folie. Bon bah, c'est la fin de la VOD l'équipe. C'est cool. Il me faut ça dans mon jardin. Ouais, je suis la dinguerie, il est énorme. Dinguerie. Il est énorme. T'as vu ça là? La taille que ça fait. C'est la folie. On est en waiting là. Waiting. Waiting. Bon, c'est bien sympa tout ça, mais on passe quand là? Ouais, je te jure. Hein? Ah, ils prennent même pas Coca? Waiting. Ah, ouais, ah oui, d'accord, je vois. Les officiels vont rentrer. Attention. C'est énorme. Là, ça devient long l'équipe là. Ah, je suis fatigué en vrai. Je te jure. Ouais, ça va manger tranquille, se poser. Ah mon gars. Allez, arrête-toi ça tout de suite. Voilà. Le relais va bientôt arriver. Ah, Juliette, t'as passé une bonne journée. Une super bonne journée. Je suis trop heureuse de voir la flamme. Je l'attendais depuis tellement longtemps. C'est le plus beau jour de ma vie. T'es une bonne influenceuse. Tu fais bien ton taf. Superbe. abuse pas. L'actrice, j'ai failli pleurer. C'était pas un trap, hein, la question. Non, c'était une question normale. Hein. Je suis en full RP là. Je regarde les JO, toi. Je regarde les tennis de table. Parce qu'il y a le frère Lebrun. Moi, je regardais les JO d'hiver. J'avoue que les autres, je regarde pas trop. Encore une fois, pour faire des sauts, pas là. Ah, c'est là, ok, la photo avec la flamme comme ça, ok, j'ai capté. Si jamais vous êtes dans le courant, ce soir, la capitale du monde, c'est... Ah ouais, ah ouais, okay. La capitale du monde, okay. Bah, jamais dans l'abus. Les gars, la meilleure ville de la galaxie, c'est... Bah c'est Montpellier, apparemment. Okay. Celle-là, je l'ai. Oh. Et il a eu la note. Ouais, ouais. Hey, il le tente, hein. Il est chaud. Tu vois, ce mec, il ose, hein. Il ose. C'est le GOAT. 3, 4. Ouais, petit flop. Ça fait un peu mal au cœur. C'est dur de faire ouh. Vas-y, vas-y, fais un ouh. On y va, David. Ouh. Attends. Go. Attention, Alex. Tu vas le faire. Regarde. Comment on est bien ici. Dans les hauts, 3, 4. Ça flop, il a flop. Non, là il les enchaîne là. Reste là, on va le faire ici. Plus fort que ça. Non. Notre ville, elle est pas assez grande. En même temps, ça peut être une ville de merde. On n'est pas le monde, c'est fou. C'est très bien, toi.
C'est très bien comme ville, c'est chill quoi. C'est pas cher. Regarde, tu payes combien de loyer? Vas-y, tu payes combien de loyer? 900. C'est extrêmement cher. T'as combien de mètres carrés? 60 nuits. 69. Ouais. Ça va, ouais. C'est pas si cher, ça va, c'est pas trop cher. Ça va. Il pleut 7, 6 jours sur 7. Sinon, le reste du temps, bah, il y a des nuages. T'es jamais venu? Je suis passé. C'est vrai que t'es déjà passé à toi. Non, elle a raison, le temps il pue sa mère. Oui, c'est vrai. Ouais, je vais pas défendre le temps, c'est vrai. C'est vrai qu'ici il fait beau, il fait chaud, j'admets. En fait, quand il fait chaud à Tours, le problème c'est que vu que c'est dans les terres, il fait très chaud, ouais, et lourd. Ici il y a le vent de la mer, ça sauve un peu, tu vois. C'est même si des fois il fait très très chaud, ici avec le vent de la mer, des fois ça va un peu, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est OP. On a la chance d'avoir du vent, parce que s'il y avait ce temps sans vent, on en mourrait. Ouais. C'est ça, à Paris, il fait chaud, la canicule elle est pire qu'ici parce qu'il n'y a pas de vent à Paris. Oui, c'est ça. C'est horrible. Là, il faisait pas chaud là, ça va, il faisait bon aujourd'hui. Ouais, il fait bon. Ouais, normal. Faut que j'aille à la plage, j'ai pas été encore. T'as la voiture toi? Tu nous amènes à la plage demain? Ah, tu restes demain? Bah, si vous voulez, hein. On va à la plage demain. Ah ouais? Ouais. Moi, je peux pas, moi. Moi, j'ai une réunion demain, mec. J'ai même deux réunions. Le mec a des réunions, quoi. I work on projects, guys. Yeah, okay. I work on projects. I cannot tell. Okay. Ah, il faut y aller demain matin parce que j'ai mon train à 12h50. Tu peux motiver à 12h50? Ah ouais, toi, on se lève tôt en fait. 10h, on va à la plage. Tu peux motiver au moment quand tu veux. Hein. Je motive des gens, t'inquiète. Je vais motiver des gens pour aller à la plage. Mais toi, t'as pas un train demain? À 12h50. Ah ouais, c'est moi? Kenny! C'est moi, wesh. C'est Kevin, je crois. Je crois que c'est Kevin. Non, c'est Kevin. Je crois que c'est Monsieur Mayer. C'est moi, wesh. Ah, c'est Kevin? Oui. Ah, ah, ok. Alors. Kenny! Kenny! Et là, tu dois aller. Tout le monde en mode, c'est qui? Attention! Tu dois aller prendre la flamme là. Hein? On doit aller où? Des gens qui commencent à crier! Faites du bruit! Ouais! Et tous les visiteurs, c'est pareil. C'est des fois, on est bien. Merci infiniment. Ça quand? Enfin! Merci beaucoup! Merci beaucoup. Ah oh ouais. OMG, ça va au top. Surtout, faites bien attention de redescendre en marche arrière. Oui. C'est pas un escalier, c'est une échelle. Ok. Faites passer le message. Hein. Ça marche, c'est super dangereux. C'est comme à l'escalade. Ça va être cool. Voilà. Et il y a du monde partout, c'est dingue ça. Il y a du monde partout. C'est pour ce monde. Bonsoir Montpellier. Ah ouais. Eh hey, Julie, elle fait la présidente un peu en mode. Salut tout le monde. C'est pareil dans les rues, imaginez. Salut tout le monde. Il n'a rien fallu faire pour arriver jusqu'ici. On a déjà place là-bas. Attends, vas-y. Mais le principal, c'est qu'il arrive, on va vivre ensemble. Oh oui. Si je peux avoir un peu plus de retour. Mais elle arrive où la flamme? Parce que dans quelques instants, on va demander une seule chose, c'est de crier et de faire le plus de bruit possible. La musique compte. 3, 2, 1, tout le monde. Oh, l'ambiance Star Ibiza. Je te jure. Là je suis DJ Snake là. Là je suis David Guetta. Bonjour. Oh le bon. On a jamais connu ça. C'est le cinquième soir. On va s'en rappeler. On va remercier évidemment. À chaque fois, on est accueilli par les forces de l'ordre. Merci infiniment d'être là avec nous et pour crier à la sécurité de ce parcours qui est juste dingue. On voit rien. Waouh. On est parti ce matin de Millau, on a pris des hauteurs sur le viaduc et on va arriver dans quelques instants à... au chaudron, mon père. Salut, ça va? Mesdames et messieurs, oh là, je le vois, ok. Attention. Alors comme je suis pas rapide et que j'ai pas de cardio, j'ai intérêt à y aller maintenant. Parce que je pense que Kevin Meyer va mettre une tôle, sinon... Je n'ai aucune idée d'où il est là actuellement. En fait, je sais pas, il va arriver là, au milieu là-bas. Ouais, il va arriver là-bas, ouais. En fait, on aurait mieux vu sur l'écran. Ouais, j'ai le démon. T'entends pas? Encore? Ouais, j'abuse. Il est fou ce mec. Attends, monsieur A est en train de péter un plomb. Ils veulent pas. Il a pris un stop direct. On a tenté un play là.
On a tenté un play, il est pas passé. Mister A a tenté une dinguerie. Elle arrive cette flamme, elle arrive hein. Ok oui hein. Dans quelques instants on va voir le direct. Parce que ça, là-bas, c'est fou. C'est fou. Vraiment. Et je vais vous dire un truc hein. L'attente. Vraiment. Oh. En recours. Parce que là. On s'est fait calmer par la sécurité. Il a essayé de monter sur la barrière et je le tenais. Et la sécurité nous a fait non. Vous arrêtez ça tout de suite. On a tenté un play. Il y a tellement de gens, frère, qui attendent. C'est de la dingue en vrai. Salut l'équipe Coca là-haut. Ils s'en rappellent pas. Demain ils ont oublié. C'est dur. Ils préfèrent aller à Disneyland. Hein. C'est un acteur lui. J'ai dit bonjour alors que je fais pas partie de la team Coca. J'ai vent intentionnellement. Non. Buvez de l'eau, c'est mieux. De l'eau, c'est bien. L'eau, c'est mieux. Wesh. La légende, elle. Wesh. Wesh, il a câblé. Il fait quoi, parkourman, là? Parkourman ou ça? Là, là, il y a Makassi, là. Oh, je te jure. Je sais même pas comment c'est possible que vous ayez un live vu que la couverture 5G et 4G ici elle est baisée. Hein. Je ne capte rien là. Hein. Mais il y a tellement de gens, c'est normal. Je te jure. Mesdames et messieurs, ça y est, on y est. Il est où? Tu le vois là? Ah ouais, je le vois, ouais. Je vois rien. Ah, je te jure. Ah si, on le voit un peu. Tout de blanc vêtu, il lève son bras et Abuse. Vous avez des images en direct. Tous les parfums sont évidemment levés. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir le champion des disciplines combinées. Il arrive. Ladies and gentlemen, please welcome. Wakeni. Ouais. Kevin, stop. Ah, on le voit là. Tranquillement, tu fais le tour. Mais le chat, vous voyez un truc? Je pense avec l'écran et tout, ouais. Avec l'écran, ouais, peut-être. Attends, il est où notre deuxième caméraman qui filme l'écran? Ok, Kevin, ok. Maintenant, attention. Comme tu veux. Oh, ouais, la musique, hein. C'est la Zumba. C'est juste tout à l'heure, évidemment, avec le Big Bang. Maintenant, c'est le grand moment. On va arrêter la musique, s'il vous plaît. On vous explique dans quelques secondes comment ça va se passer. C'est toi, toi seul, tu vas lever la torche maintenant. Est-ce que vous entendez le host aussi? Montpellier, lève la torche, Kevin. Je vais compter jusqu'à 10, Kevin. Nous allons compter jusqu'à 10. Tiens-toi tôt à ce mur-là, voilà. Les photographes sont en face. Prépare-toi, Kevin. Attention, nous comptons ensemble jusqu'à 10. Et à 0, ah, ça lag. La torche. Tout le monde compte avant. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, bonsoir Kevin Mayer. Ah ouais. Il a cramé la ville. Pas mal. Ah ouais, c'est stylé. Nous vivons en direct des années de travail, des mois de collaboration entre les collectivités, les territoires. On le dit encore une fois, millions, 7, on peut. Il a dit, la meilleure journée de leur vie. Très
très vite, je vais faire venir les gardiens de la flamme, parce qu'évidemment, on a pris un peu de retard, s'il vous plaît, pour pouvoir... C'est vraiment la teuf, hein. Ils sont en train de vivre leur meilleure vie en bas, là. C'est bien. On va arrêter la musique quelques secondes, Kevin. Kevin, tu sais quoi, on a répété tout ton arrivée tout à l'heure. Moi j'ai dit ton prénom et tout le monde a dit ton nom. Prends ça parce que t'as besoin de la force. Les JO vont compter sur toi. Écoute bien. Ce soir, à Montpellier, en direct, on a le seul, l'unique, notre athlète. Il s'appelle Kevin. Bravo, juste magique. Allez, la table, s'il vous plaît, c'est le moment. Bah écoutez, c'était très cool. Bon, on peut conclure là-dessus, je pense, hein. Ouais, les gars, on ça va descendre. On n'a pas de micro en plus. On va descendre, ça va cut. C'est le plus beau jour de ta vie, non? Tu vas t'en souvenir toute ta vie. Oui, c'est vrai. Voilà, bah du coup, le live, on va du coup terminer là-dessus, je crois. Ouais. Attends, je vais demander à Tim. Avec Adèle en bas, là-bas. Eh, oui. Il est où, Tim? Ça va si on fait l'outro ici ou là-bas? On va là-bas? On l'a fait là-bas, vas-y. Là-bas. Vas-y, on va redescendre. On va redescendre en arrière. En reculant. Faut faire attention. Merci beaucoup. Hein. Désolé pour le petit truc qu'on a tenté. Mais ils sont pété un plomb. C'est bon. Bonsoir, on se voit. Bonsoir, monsieur dame. Vous la levez. Et qu'est-ce qu'on dit? Au revoir la flamme. Merci. Ok. Merci. Ce soir, elle était en Montpellier, mesdames et messieurs. On va aller en direct avec l'arrivée ici même. Merci. Hein? Mais je sais, mais ils sont en bas, ils sont en train de vivre leur meilleure vie là. Elle arrive, t'inquiète, il y a Jules qui arrive. Elle arrive. Non, mais j'ai dit, on aurait dû filmer les mecs qui venaient à Montpellier. Je te jure. Vous voulez conclure plutôt là-bas? Ah oui, on va reprendre là-bas, ouais, je pense. T'inquiète si tu veux. On accueille sur cette date. Vas-y, va, go, on va là-bas et on va terminer là-dessus. Allez, go. Bonsoir, comme qui est là, le 27. Merci à tout le monde. On va passer. Il y a du monde, on est très heureux d'accueillir. C'est là où disparaît ce soir. Merci beaucoup, c'est très gentil. Bien sûr, bonsoir, bienvenue. On vous espère encore que vous avez on va vous en plaisir, t'as suivi tout, t'as kiffé. Ah, t'étais au Zénith? Incroyable, t'as crié un peu? Merci mon gars, plaisir. Vas-y mon gars, passez bonne journée. Pourquoi ça il est payé Kenny pour mettre une charte de l'énergie? Déjà en fan de ma paire sur Trial, c'est normal. Mon gars, tu goûtes. OMG, le truc de réflexe. Okay. Le truc de réflexe est dispo, OMG. Tout le monde il est terrifiant. Attends, mais on va où là? Go, hein, je suis chaud. Hein. Sur tous les toits et des tiers d'élite. Salut. Salut, t'inquiète. Vas-y, bah. Vas-y, on est là. Ah oui, je suis mort. Ils sont tous sur le truc. Ah, normal, hein. En vrai, ils ont des points du fou, hein. Voilà. Ah ouais, oh, il a écrit Montpellier, ouais, comme ça, c'est stylé, en vrai. Bon, bah, je suis tout seul. Je sais pas ce qui s'est passé, les gars. J'ai perdu tout le monde. Vous êtes allé J'ai perdu tout le monde, je n'ai plus de voix. Je vais attendre qu'ils arrivent avant de terminer. Je suis mort. Vas-y, va filmer la fresque, maintenant, regardez un petit peu. La fresque qu'il a fait, le street artist. Vas-y. Il a écrit Montpellier avec les couleurs, justement, des JO. Ok, bah vas-y, on va aller avec un petit peu de plantes partout. Voilà. Donc, ils ont expliqué un petit peu son art tout à l'heure. Et franchement, c'est un mec, ça se voit, il est passionné de fou. Non, mais t'inquiète. Un mec qui l'attend depuis 40 ans. Légende. Ça veut dire que c'est un crack. Mais non, mais le truc des réflexes. Il veut refaire le truc des réflexes. En vrai, là, si je vole la fresque. J'ai l'entorse, je peux pas le faire. Imo, je la revends, je suis bien. On peut pas simuler le cap. Hein. Mais non, il s'en fait ranger. Non, bon, on voit peut-être pas. L'herbe. Parce que quelqu'un y aurait déjà pensé avant moi. FF. On a menti. On peut pas leur dire, mais en fait, on a fait 115 avec Julien. Ouais, nickel. On a menti, les gars. On a menti, on a jamais fait 140. Ah, il faut de l'eau là. Si, je te dis que si. Ah non, on est bien. Attends, on fait quoi? Ah, c'est ici. Mais oui, on termine là-dessus. Ah non, je croyais que tu voulais faire le truc des réflexes. J'ai une entorse, je peux pas. Mais on va faire le truc des réflexes après. Okay. 1v1. Okay, on va voir si vous avez vraiment fait 140. Mais moi, j'ai une entorse. Ah, bizarre, t'as vraiment pas. Ah, je comprends. Vous nous avez mis tout en fait. Ah non. Mais on va le faire après. Impossible. On va le refaire après, le truc des réflexes. Non, on va demander. Ils ont dit c'est bon. Ils viennent de fermer là. Non, ils ont dit c'est bon pour nous, t'inquiète.
Ils ont trop pas fait 140. C'est trop des mythos. Ils ont trop pas fait 140, c'est des mythos. Ok, bon, on conclut ce live. On va conclure le live pour vous et pour nous, hein, de toute façon. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous voulez que je prenne deux micros, que vous preniez deux micros pour conclure, comme vous voulez? Mais non, on entend tout là. On entend tout? Ouais, non, ah, c'est ok, bon. Bah c'est bon alors. Ok, bah je c'est crois. Bon. Bah écoutez. C'est ouais, bon, c'est bon. Ok, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé sur toutes les chaînes, la chaîne d'Aréliane, la chaîne de Juliette Herzen, la mienne et celle de Sakor. Ce live aujourd'hui, vous avez vu des parcours différents, on a fait plein d'activités, c'était très très cool, mais en tout cas, j'ai passé une excellente journée. Ouais. J'espère que vous aussi. Ouais. Et elles ont picolé quoi. Ouais, elles ont picolé quoi, globalement. Et vous avez fait 140 au jeu de réflexe, c'est ça que c'est exceptionnel. Oui, oui, on va voir le 140. Voilà, après. On va voir juste après le live. Ah, je comprends. Je vais filmer après. Merci encore à la ville de Montpellier, évidemment, et merci pour le relais de la flamme aujourd'hui olympique. C'était très cool. C'était très cool de suivre ça, même si c'était un petit peu long avec les retards sur la fin. La prochaine fin. Est à Bastia. Mais à Bastia. Ouais. Ok. Aussi. La prochaine est à Bastia. Quoi qu'il arrive, on vous remercie à tous d'avoir suivi ce live aujourd'hui. On vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. On se dit à très prochain, à très bientôt sur nos chaînes respectives pour nos contenus. Voilà, des bisous tout le monde. On vous embrasse et à la prochaine. Ciao. Bisous.